Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli hochet nounours au crochet. Donc on entend quel petit grelot. Il n'est absolument pas du tout compliqué à faire. Je suis partie sur la base du nounours que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Et ensuite, simplement fait le corps. Donc c'est quelque chose de très simple à faire, absolument pas compliqué. Alors moi personnellement, je vais utiliser, comme d'habitude, du fil coton 3 de fil d'art. Couleur griotte, donc pour le bas du corps et pour les oreilles, et du fil coton 3 de fil d'art en blanc pour la tête. J'ai voulu faire deux couleurs différentes. J'ai besoin donc la moitié d'une pelote de chaque. Vous aurez également besoin des yeux de sécurité, donc ceux que l'on ferme par l'arrière. Vous aurez besoin de ouates pour rembourrer l'intérieur, ainsi que de petits grelots pour mettre à l'intérieur. Tout ça, donc, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Donc, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, je vous mettrai le lien direct pour le coton 3. Alors, avant de démarrer le tutoriel, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au fait que vous n'êtes pas informés quand je publie quelque chose. Donc, je vais vous montrer ici. Quand vous êtes sur ma chaîne, donc ici, on voit bien, là. Quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire une chose. Donc là, ici, sur le côté, il y a « S'abonner ». À cliquer sur « S'abonner », ça ne coûte absolument rien du tout. Vous cliquez simplement sur « S'abonner » et vous êtes abonné. Si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ici à côté, vous avez une petite clochette, on va dire. Vous cliquez sur la clochette. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, quelle qu'elle soit, droite ou gauche, vous serez averti par email. Et ça ne coûte toujours rien, tout est gratuit là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, par exemple, vous êtes droitier ou gaucher, droitière ou gauchère, et vous me demandez où trouver la main opposée. Alors, je n'ai jamais menti, j'ai toujours bien précisé, et comme ici, on voit bien sur mes mains, j'ai mes bagues à gauche, donc je suis droitière. Et quand je fais pour les gauchers, vous verrez que c'est inversé. Je sais vraiment juste crocheter de la main droite. La gauche, j'arrive à peine à tenir mon crochet, donc je ne vais pas me vanter de quoi que ce soit. Donc ici, on va prendre une de mes vidéos. Donc là, je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publiées. C'est le granny infini au crochet. Comme là, on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher. Vous êtes droitière. Alors souvent, je vous dis pratiquement tout le temps, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct, ou pour le coton, ou pour la laine, ou pour les crochets, et également pour la main opposée. Ça veut dire que vous allez tout simplement. Donc on va simplement descendre un peu. Ici, on a le petit plus. Vous cliquez là-dessus, tout simplement. Et là, vous avez tous les liens dont je vous parle. Lien direct pour le tuto droitier. Si vous cliquez dessus, donc, en cliquant dessus, vous tombez sur le lien direct pour les droitiers, tout simplement. Quand je vous dis, dans la description de ma vidéo, vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise. Donc, à nouveau, vous cliquez ici sur le petit plus, rien d'autre. Et là, vous avez tous les liens pour acheter les mêmes crochets que moi. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour les crochets Clover que j'utilise tout le temps. Donc, c'est ici. J'ai le lien pour ma boutique sur Facebook. Ici, vous cliquez, vous serez dessus. Vous avez le lien donc, pour les gauchers. Vous avez tout à cet endroit-là. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, sous la vidéo, vous avez le petit plus. Vous cliquez dessus. Et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo. Bien entendu, pour terminer donc, ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également, n'hésitez surtout pas, c'est à... Ici, à partager les vidéos, vous cliquez sur partager, vous partagez sur tous les réseaux sociaux que vous désirez, pas de souci. Appuyez sur le petit plus j'aime. Vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde. Commentaire qui a une question qui ne se trouve pas dans la vidéo, je réponds. Si la question se trouve dans la vidéo, malheureusement, je ne répondrai pas parce que voilà, je réponds déjà à énormément de personnes. Enfin, je fais vraiment, vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde, autant sur YouTube qu'autant sur Facebook. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques, si j'ai déjà fait, si j'ai ou pas. Alors, je profite
pour vous le dire là. Quand vous êtes également sur ma chaîne, ici, vous voyez le playlist. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous avez comme une sorte de des albums. Tout est classé par... Donc ici, vous avez des habits au crochet. Un spécial droitier, l'autre spécial gaucher. Vous avez la décoration. Toujours en droite et en gauche. Vous avez divers points. Vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé de façon à ce que vous puissiez trouver, voir en tout cas si le modèle que vous cherchez, s'il se trouve chez moi ou pas. Donc, il faut simplement appuyer sur playlist. Et là, vous trouverez tout bien classé. On va commencer par les petites pièces. Donc, on va commencer par le museau. On va faire un cercle magique. Donc, on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe sous notre premier fil. On va chercher, on le ramène à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée qu'on ne comptera pas. Là, on peut lâcher. On va travailler l'intérieur du cercle. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on rentre, on ramène un jeté à travers les deux boucles. On a fait une maille serrée. On rentre, on ramène un jeté à travers les deux boucles. On a fait 2. On rentre, on ramène 3. 4, 5, 6. On prend notre fil de départ ici, on va fermer légèrement le cercle. On fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on rentre ici dans notre première maille serrée de départ. On profite pour coincer le fil de départ avec. Et là, on va faire une première maille serrée, dans la même on fait une deuxième maille serrée. Donc on en a fait 2. Dans la suivante également, donc à ce stade, on a 12 mailles serrées. C'est maintenant que je vais mieux fermer mon cercle magique. Donc je reprends le fil de départ. Et là, je serre vraiment bien paquet de trous au centre. Pour notre troisième et dernier tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on a 12 mailles serrées, on va terminer avec 12 mailles serrées. On va entrer dans notre prochaine maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur pour qu'on puisse ensuite coudre le nez et on tire dessus. Je vais passer mon fil à l'arrière et couper celui-là. J'ai pris une aiguille à coudre sans pointe où j'ai fait un nœud à une extrémité. Et je reprends le nez. Donc là, on va essayer, en tout cas moi. Voilà. De broder la forme du nez.
Donc, quand vous avez donné la forme que vous désiriez, finalement, j'ai opté pour un petit nez. On va faire simplement un nœud entre les deux fils, bien serré, et on va mettre en attente. Alors maintenant, on va faire les oreilles. Moi, j'ai décidé de les faire en rouge. Donc, vous allez faire un cercle magique, comme je vous ai montré. Dans le cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc ça, c'était pour le premier tour. Le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc à ce stade, on a 12 mailles serrées. Là, de nouveau, je vais fermer mon cercle magique correctement. Donc là, on a terminé le 2. Troisième tour, on va faire une maille serrée toute seule. Et 2 mailles serrées dans la suivante. Une, on revient dans la même, on fait une deuxième. De nouveau, une seule. Dans la suivante, on en fait 2. Pour le prochain tour, qui est l'avant-dernier, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'à la fin du tour. Pour le dernier tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. Donc une, 2, 3, 4, une diminution. De nouveau 4. On va entrer dans notre première maille serrée de départ, fermée avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur qu'ensuite on puisse coudre les oreilles. On tire dessus. Et on ramène notre fil. Donc maintenant, vous avez compris qu'il en faut une deuxième à l'identique. Alors, on va commencer par la tête. On va commencer avec le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On accroche notre fil à l'arrière. On passe sous la première boucle. On va chercher, on la ramène à l'avant. Avant de lâcher ici notre cercle, on va faire une maille serrée qui ne comptera pas. Là, on peut lâcher. On va travailler à l'intérieur du cercle magique. On va faire au total 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les deux boucles. On a fait une maille serrée. On rentre, on ramène. Un jeté, on a fait une deuxième. 3. 4. 5. On retire le crochet,
On reprend ici notre fil de départ et on va fermer notre cercle. Pas complètement à fond, on fermera mieux un peu plus tard. Donc là, on a fait le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on rentre ici dans notre première maille serrée de départ. C'est pour ça que je n'ai pas fermé complètement, sinon c'est très difficile ensuite. On rentre, on ramène, on fait une première maille serrée. On va tout de suite la marquer. On retourne dans la même maille et on refait une deuxième maille serrée. Maille suivante, on la voit bien ici. On rentre, on ramène. Une maille serrée, même espace, une deuxième. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 6. On en aura 12 à la fin. Donc c'est à ce stade où je vais vraiment bien fermer mon cercle magique. Donc je reprends mon fil et là je serre vraiment correctement à fond, pas qu'il y ait de petits trous. Pour le troisième tour, on va faire 1 maille serrée seule et 1 augmentation. Donc là on a fait la première toute seule. Dans la suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Je continue toujours à coincer mon fil de départ. Donc une seule, 2 dans la suivante. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées toutes seules et 1 augmentation. Donc on a fait la première toute seule. Dans la suivante, on fait la deuxième toute seule. Donc 2 seules, 2 dans la même. De nouveau, 1 seule, 2 seules, 2 ensemble. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 seules et 1 augmentation. Donc 1, 2. 3 seules, 1 augmentation, 2 dans la même. 3 seules, 1 augmentation. Jusqu'à la fin du tour. Pour le sixième tour, on va faire 4 seules et 2 ensemble. Quatre seules, 1 augmentation. 4 seules. Et 1 augmentation. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le septième tour, on va faire 5 seules et 1 augmentation. Donc 1, 2. Cinq seules, 1 augmentation. 5 seules. 1 augmentation. Et vous allez répéter la même chose jusqu'à la fin du tour. Alors pour le huitième tour, du huitième tour à la fin du 17e tour, on va simplement faire 1 maille serrée dans chaque maille serrée. Donc pour savoir à quel tour on en est, on compte, je vais essayer de vous montrer là, ici de cette façon-là. Ici au centre, ça fait 1. On voit ici 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on est au 7e tour. Du 8e à la fin du 17e, on va simplement faire 1 maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement 1 maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'à la fin du 17e tour. Alors je vous laisse terminer, on se retrouve après. Pour le 18e tour, on va commencer les diminutions.
on va faire 5 mailles serrées sol et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La diminution, on va aller dans la maille suivante. On va attraper que le fil qui se trouve ici à l'avant. Celle d'après, pareil, on prend que le fil sur l'avant. On a fait une diminution. On reprend 5 sol. Une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 19e tour, on va faire 4 mailles serrées sol, une diminution. Quatre sol, une diminution. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 20e tour, on va faire 3 mailles serrées sol et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3 sol, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 3 sol, une diminution. Pour le prochain et dernier tour avec des diminutions, le 25e, on va faire 2 mailles serrées sol et une diminution. Deux et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Deux sol, une diminution. Donc, quand vous avez terminé votre dernier tour d'augmentation, c'est à ce stade-là que je vous conseille de positionner les yeux de sécurité, donc les yeux qui ont ici la sécurité à l'arrière pour pas qu'on puisse y enlever, et de coudre également le nez comme je viens de le faire. C'est plus simple de coudre à ce stade et d'installer les yeux qu'après. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Là, on va terminer avec le blanc. Ça veut dire qu'ici, dans la prochaine maille, on rentre, on ramène et on va fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus et on coupe. Donc ici, à ce stade, on a 18 mailles serrées. Vous pouvez continuer avec la même couleur. Moi, personnellement, j'ai décidé de changer de couleur pour le corps, enfin le bas. Donc ici, j'ai pris la deuxième couleur. Je vais entrer dans n'importe quelle maille, ramener mon fil. À partir de maintenant, on va simplement faire des rangs de mailles serrées sur mailles serrées. Quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, pour pas qu'on voie ici la démarcation de notre changement de couleur, je vais entrer dans la première maille serrée de départ et je vais fermer avec une maille coulée. Comme ça, là, on ne voit pas la démarcation des deux couleurs. Je vais faire une maille en l'air, revenir dans le même espace et refaire une maille serrée. De nouveau, maille serrée sur tout le tour. Donc vous avez compris qu'à partir de maintenant, c'est ce qu'on va faire. Simplement des mailles serrées sur mailles serrées, sur la longueur que vous désirez. Je vais faire à peu près 23 ou 24 tours, je ne sais pas, je vous le dirai après. Avant de continuer, puisqu'il va falloir qu'on rembourre la tête, on va... Alors déjà, je vais juste marquer ma maille, pas qu'elle m'échappe...
jamais. Voilà. On va gentiment remplir la tête, un peu au fond. Je vais remplir à moitié pour l'instant. Voilà. Alors maintenant, c'est aussi à vous de voir chacun sa façon de faire. Moi, j'ai acheté des gros lots comme celui-là. Un hochet de base, tout au tard, il va falloir le laver. Donc à force, je me dis, je crains peut-être qu'avec le temps, ça va peut-être s'ouvrir ou autre chose. Donc au lieu de prendre des petits gros lots qui sont plus simples à avaler, j'ai pris des gros. Et là, je les ai tous assemblés ensemble pour qu'au pire des cas, c'est vraiment avec l'usure, quelque chose commence à s'ouvrir, vous aurez le temps d'y voir. Et pour que ça puisse passer à travers, il faudra un bon moment, vous aurez eu le temps de réagir. Enfin, c'est ma façon de voir. Et en les attachant tous ensemble, donc ils seront, ça fait déjà un gros paquet. Et surtout, vous pourrez le laver du fait que ça se lave. Donc, y a pas de, ça c'est du coton, rien de plus. Alors, on va... J'avais déjà fait l'expérience avec un gros lot, on n'entend rien. Avec deux, on n'entendait rien. Donc là, je pense qu'avec cinq, ça devrait aller. Et là, maintenant, je vais finir de rembourrer la tête un peu plus correctement. En faisant en sorte que les gros lots restent bien au centre. Donc, quand vous avez fini de rembourrer la tête, vous avez compris qu'à partir de maintenant, on va simplement répéter ce qu'on a déjà fait. On va faire maille serrée sur maille serrée. Je vous dirai exactement combien de tours j'ai fait moi dans la prochaine prise. Et au fur et à mesure, on va continuer quand même à rembourrer la partie qu'on est en train de faire. Alors, je vous laisse terminer. On se retrouve après. Alors moi ici, personnellement, j'ai fait au total 24 tours, simplement maille serrée sur maille serrée. Maintenant, on va, pour le prochain tour, on va faire deux mailles serrées seules. Deux. Une augmentation. Deux dans la suivante. De nouveau, deux mailles serrées seules, une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire trois mailles serrées seules et une augmentation. Donc une, deux, trois seules, une augmentation. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors maintenant, les trois prochains tours, donc les trois prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour les trois prochains tours, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors, je vous laisse terminer ce tour-là et les deux suivants. On se retrouve après. Donc, quand on a fait les trois tours à l'identique, on va attaquer la diminution. Maintenant, on va faire trois mailles serrées seules et une diminution. Vous allez tout simplement répéter le même procédé jusqu'à la fin. Trois seules, une diminution.
Le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 2 mailles serrées seules et une diminution. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Le prochain tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour. Donc une seule, une diminution. Une seule, une diminution. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour simplement avec des diminutions. Alors quand on a fait tout le tour, on va aller dans notre première maille serrée, fermée avec une maille coulée. On va couper une bonne longueur, ce qui va nous permettre de fermer l'espace. On tire dessus. Alors ici, j'ai bien fini de rembourrer la partie du bas. J'ai pris une aiguille à coudre et on va simplement faire le tour pour fermer la partie du bas. Et comme ça, ça se ferme. Faire un petit nœud. Ensuite, je vais passer mon fil à plusieurs reprises sur la partie du bas. Donc maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est à coudre les oreilles. Pour ça, moi, personnellement, je les ai placées donc pour qu'elles soient bien séparées. J'ai mis des épingles tout autour et vous passez simplement donc avec votre fil qui vous reste des oreilles. Vous rentrez dans la tête, vous sortez dans l'oreille et vous faites tout le tour. Donc quand c'est terminé, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.